Je me trouve désormais à Nancy et admire les dimensions idéales de sa place Stanislas, l'une des plus belles du monde. Plusieurs personnes ont proposé de m'y héberger, aussi nous nous retrouvons tous dans un bistrot. Il y a là David, qui rentre de Madagascar où il a monté une ONG. Azra lui parle de son service civique, des liens secrets. Puis arrive Nabila, et tout le monde se met à échanger sur son futur voyage au Liban. Finalement, j'atterrirai chez Azra. Avec sa famille, Anaïs et Loïsa, elles me concocteront une quiche Lorraine pour le dîner. Un petit cadeau, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Les petits bonheurs qui changent la vie ». Voilà, une petite gelée de coins faite maison, qui a été faite avec des coins ramassés dans les Vosges. La veille, j'étais à Saint-Dié, dans les Vosges, où Marcy m'avait proposé une balade sur les hauteurs de la ville. Avec son ami Erim, ils avaient reçu les cadeaux de Salomé. Comme cadeau, j'ai des petits bras de lait faits par mon ami. Et un pot de confiture qui nous a été donné par un légionnaire que connaît ma maman, qui s'appelle Ludo. Et il a beau être tout grand, tout barbu et tout légionnaire, il adore la confiture et donc il paye tout le monde en petits pots de confiture. Donc voilà. It'll funk you till the cradle rocks. It's just my man. It'll let you know what's at your...